Bonsoir, nous voici pour notre quatrième séance d'entraînement. Je suis David Blandiot, personal trainer, directeur de la Fitness Academy. Je suis accompagné de mon épouse et également mon élève pour cette nouvelle séance d'entraînement avec vous. Je tiens d'abord à remercier tous les élèves de la Fitness Academy qui vont être promotionnés ici en juin. Ils m'ont guidé à travers les exercices à donner aujourd'hui au poids de corps, sans élastique, sans ballon et sans haltères. On va commencer par un petit échauffement classique. Ok, Marie, je t'en prie, on ouvre. Hein, vous connaissez l'exercice pour ceux qui ont suivi. On descend légèrement et on monte. Ah, je vais tâcher de varier les échauffements. 4, 5, 6. 7, 8, on va jusqu'à 20, 9, très bien, 10, voilà, tranquillement, un corps qui se réveille, 12, 13, 14, encore 5, c'est très bien, et 1, 2, 3, 4, et 5, je vais tirer la jambe en arrière. Je vais mettre une petite cible que je vais tâcher de toucher, 2, sans aller trop haut, si vous devez stopper là, vous stoppez là. C'est un échauffement, tranquille. 1, 2, on fait 10 d'un côté et 10 de l'autre. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9 et stop. Et de l'autre côté, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je monte, je monte, je croise, je monte. 20 fois. 1, 2, très bien. 3. 4, excellent, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, et 1, 2, 3, 4, et 5, très bien. Et maintenant, je vais mettre un pied devant, 1, je saute, 2, je saute, 3, je saute, 4, je saute. Voilà, c'est un échauffement, vous pouvez vous tromper durant le mouvement. On chauffe. 1, 2, 3, voilà, le corps se réveille. Si vous n'êtes pas suffisamment chaud, faites-le statique. Marie, le sang en sauté, encore 3. 1, 2, très bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Les mains sont aux oreilles, tranquillement. Je monte, je monte, je monte. Je descends bien bas, comme si on voulait aller toucher les épaules. 15 fois, tranquillement. Bien s'étendre. 4, très bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et une petite variante tranquillement à votre aise.
vos pieds sont plus joints que précédemment, vous frôlez le sol, 1, 2, 3, 10 fois, 1, très bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et stop, très bien, voilà, bon petit échauffement, les articulations sont bien lubrifiées, comme vous le savez, les articulations ont un pouvoir glissant de 50 fois supérieur à la glace. Lorsque vous faites un échauffement, vous avez une production d'une petite huile qui va permettre encore une meilleure lubrification des articulations, davantage d'amplitude, moins de blessures. Premier exercice. Je vais demander à Marie de tirer son pied le plus loin possible et d'imaginer qu'elle a un câble ici. Et elle va tirer, attention, à côté de la poitrine, ne revenez pas à côté des hanches, tapez le coude bien loin à côté de votre poitrine et en même temps, visez le genou, bombez le tronc. Je m'étends. Okay. En cas d'erreur, je corrigerai Marie. Si Marie fait des erreurs, vous devez sûrement en faire, tranquillement. Donc, Marie va tendre bien devant ses pieds. Elle va fléchir, revenir. Vas-y Marie, monte exercice 1. Très bien. Et voilà, essayez de bien bomber le tronc. Excellent. 3. On en fait 15. 5. Excellent. 6. 7. 8. 9. Encore 5. C'est très bien. Bien à côté de la poitrine. Encore 3 et 1, 2, ah oui, et 3, c'est pas grave, c'est normal, hein, on se trompe, aucun souci. Même chose, de l'autre côté. Plus dynamique et je vais vous demander de tourner d'un côté et ensuite de tourner de l'autre côté. Ce que je veux en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 15 d'un côté et ensuite 1, 2, 3, 15 de l'autre. Je vais les compter. Tournez simplement sur place. Ce sera à gauche. Vous aurez plus de facilité d'un côté que de l'autre. C'est tout à fait normal. Marie, tranquillement et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, très bien, 7, on tourne Marie, on continue, 8, 9, tourne, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et maintenant l'autre côté, c'est très bien. Donc pensez hein, à tourner comme un mouvement d'horloge, ok, et on est parti. 1, 2, 3, 4, voilà, continue à tourner. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouf! Très bien, super. Ok. On va courser le mouvement. Faites slowly si vous n'êtes pas habitué. En plus, c'est des mouvements qui requièrent de l'équilibre. C'est pas évident. Certains en ont moins, hein, de manière innée. Tout à l'heure, je vous ai montré ce mouvement, là. Maintenant, je vais vous demander de faire la même chose, mais de ne plus poser le pied. Il est en équilibre. Je reviens. Plus vous allez monter, plus ça m'intéresse. Si maintenant vous devez poser, vous posez. Je m'étends. Tranquillement. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, fléchissez légèrement la jambe d'appui. Tranquillement, Marie. Ok. Donc, on va étendre. Je vais t'aider pour la première. Étends bien les bras. Ton corps, ton pied est en équilibre. Je vais tirer en remontant. Vas-y.
t'en prie. Hop, là, à côté de la poitrine, on tire. Là, comme ça. Comme si tu tirais le cas. Et boum, là, voilà. Je vais le refaire avec toi un fois ou deux. Ah oui, pas facile. Deux. Ok, c'est très bien. Trois. Voilà. Tranquillement. Cinq. C'est parfait. Six. Sept. Huit. Neuf. On essaie d'aller jusqu'à 15. Douze. Treize. Voilà, c'est bien. On se rattrape. 14 et 15. Très bien. Excellent. Bon, bien entendu, vous risquez d'être plus rigide d'un côté que de l'autre. Nous sommes ce que nous répétons. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude, l'a dit Aristote. Hein, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre côté. Un. Voilà, tranquillement. Deux. C'est parfait, Marie. 5, 6, excellent, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, très bien, super. Entre eux, je vous ai demandé de faire ces petits pas du footballeur. Maintenant, je vais vous demander des petits sauts de lapin. Mais des petits sauts de lapin en douceur. Marie va les faire en imaginant que je dors à côté, elle ne veut pas me réveiller, et ce que je veux, et vous pouvez aller dans les trois plans, c'est... Soyez libre. N'atterrissez pas comme des sacs de patates. Atterrissez en douceur, décélérez 15 fois. Allez dans les plans que vous souhaitez. Un corps humain est libre. Pourquoi les gens aiment-ils danser ? Ben, pour la même raison, ils se sentent libres. Et tournez comme ça, 15 fois, dans le sens qui vous convient, à gauche, à droite. Marie, je te laisse libre, je ne te cadre pas. Ok, amuse-toi comme une petite fille. 1, 2, 3, 4, voilà, descends bien. 5, 6, très bien. 7, 8, 9, 10, encore 5 et 1, 2, 3, 4 et stop. Excellent. Puissant, hein? Oui. Très bien. Ok. Revenons à notre exercice précédent. La première fois, je vous avais demandé de laisser le pied de tirer. La deuxième fois, je vous ai demandé de laisser le pied en équilibre de tirer. Et maintenant, au lieu de fléchir le genou, je vais vous demander d'étendre la jambe. Alors attention, vous verrez que vous aurez tendance à descendre les mains là. Non, gardez toujours bien les mains au niveau de la poitrine. L'exercice va donc donner 1. La jambe fait un balancier, vous tombez, vous vous repositionnez, on est là pour se remettre en forme et pas pour faire des performances. Marie, tranquille, les premiers, il faut trouver, bien entendu, l'équilibre, le rythme. Donc, au lieu de fléchir la jambe est tendue. Si elle s'arrête là, elle s'arrête là. Si elle monte plus haut, c'est bien. Et on tire bien les bras au niveau de la poitrine. Voilà, la jambe complètement tendue. Attention, voilà, c'est pas facile. Voilà, 4, c'est parfait, tranquillement. 6, c'est ça. 7, 8, la jambe tendue, hein. 9, voilà. Encore 5, très bien. 1, 2, 3, 4. Et 5. Très bien. Bien. 1. Voilà. C'est pas grave. On essaie de pas shooter, de tendre. Et bien tirer à côté,
à côté de la poitrine. Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Excellent. Très bien, on respire. Très bien. Ce sont des exercices déjà puissants. Hein. Si vous êtes déjà à ce stade-là, je vous félicite. Bravo. Répétez, répétez, répétez. OK. Maintenant, on va partir sur une fente avant. Vous la connaissez, c'est ce mouvement-là. Si vos jambes sont fatiguées, si vous n'êtes pas entraîné, fléchissez légèrement la jambe. Et je vais demander à Marie de faire une élévation latérale. Comme ce fameux mouvement pour les épaules, nous ne disposons pas de poids, on va le faire sans. Et donc, je vais demander à Marie de faire 1, 2, et de monter 3, 4, tranquillement. OK ? Donc, sur le côté, on est parti. 1, 2, voilà, 3, 4, sur le côté, il n'y a rien. 5, très bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et stop. Très bien. Comme vous avez vu aujourd'hui, je monte un peu le cardio. Okay. Si tu as envie de libérer tes mains, tu libères tes mains. Moi, je vais les mettre ici pour montrer l'exercice. Et tout simplement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et stop. Très bien. On va continuer notre exercice précédent, notre exercice de fente. Au lieu de faire une élévation latérale, on va le faire en avant. Vous pouvez aller loin. Si Marie monte aux yeux, ça me suffit. Gardez les mains légèrement en tension. 1, 2. Marie n'a pas alterné, elle a fait 10 à droite, 10 à gauche. On va continuer comme ça. Elle va se concentrer sur une jambe. 1, 2, 10 droite, relax, 10 gauche. 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et maintenant, on monte encore un peu dans le cardio. Au lieu de faire cette fente latérale, on va les faire en avant. Si tu décides de faire aller tes bras dans un sens qui te semble plus confortable, fais-le. 1, 2, 3, 20 fois. OK ? À ton aise, tu es libre et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bien, très bien. On revient à notre exercice précédent. Je vous ai montré le mouvement avec une élévation latérale, le mouvement
avec une élévation avant. Maintenant, je vais demander à Marie de garder systématiquement ses mains au niveau des oreilles et de faire ce mouvement, tout en faisant la fente. Et elle s'étend bien. Un, deux, tranquillement. 10 à droite. Ramène bien systématiquement les mains au niveau des oreilles. Ok. Bien étendre, ramenez bien au niveau des oreilles. Commence avec les mains au niveau des oreilles. Voilà. Voilà. Juste ici, comme ça, je me vois. Et le monter, revenir au niveau des oreilles. Avec la fente, toujours à droite 10 fois. Pause, de l'autre. D'accord. Quand tu es avant, on monte. Tu fais tout en même temps. 1. Voilà, reviens. C'est parfait. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On respire. Reviens, reviens, reviens. Et au moment où tu fais ta fente, tu fais mouvement. 1, très bien. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, excellent. Et on respire. Nous avons fait juste précédemment une fente avant. Eh bien, on va faire la même chose en arrière. Et on va toujours garder le tronc. Ok, en mouvement. Et je vais demander durant l'exercice à Marie de faire systématiquement des ronds continus, ok, d'un côté. Alors, ce qu'elle va faire, c'est que si elle a décidé d'aller comme ça, elle va faire 1, 2, 3, 10 fois, relâcher, ensuite avec l'autre jambe, 1, 2, à toujours garder les épaules en mouvement. Vous allez sentir combien les épaules vont chauffer. Relax, si vous devez faire des pauses, faites-le. Ok. On va commencer. Ok. Si vous commencez d'un côté, continuez. Et vous continuez à tourner durant les 10 fentes à droite. Vas-y. 1. Très bien. C'est parfait. Voilà. 3. 4, 5, 6, voilà, 7, 8, 9, et stop, petite pause. Tu sens les épaules? Oui. Ça chauffe, hein? Ok? Très bien. Alors, Marie a décidé de faire ce côté-ci. Maintenant, vous allez aller de l'autre côté, mais avec le cœur. Ok, tu vas se récupérer, ça va? Oui. Voilà. Voilà. 1. 2. Très bien. 3. 4. 5. Très bien. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. C'est bien. Ça va? Bon. Maintenant, on va se mettre en position pompage. Je vais vous demander de tâcher de garder votre dos dans l'axe du plafond, le dos droit. Et simplement, 1, 2, 3, 4, 20 fois, tranquillement. Si vous devez faire des pauses, faites des pauses. Tranquille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va jusqu'à 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et stop. Très bien, Marie. Excellent.
C'est un peu ça, faire l'équipe. Tout à l'heure, je vous ai demandé de faire des ronds comme ceci, avec une fontaine. Et bien maintenant, on va faire des ronds comme ceci. Décollez les épaules. 1, 2, 3. Donc, la fente est en arrière. Marie, si elle décide d'aller de ce côté-ci, pas de ce côté-ci, avec l'autre jambe, elle ira de l'autre côté. Et elle fait des ronds qui vont décoller toutes ses épaules. Ok ? Donc, des petits ronds avec une fente. Avant. 1. Voilà, on continue ces petits ronds. Pas facile. Ouais. Voilà. 4. Voilà. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Maintenant, l'autre côté. Détends les bras, ça chauffe. Hein? Oui. Très bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Respire. On revient à notre position pompage et au lieu de monter sur le côté, un pied devant, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, excellent, 4, 5, 6, 7, 8. 9, encore 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et stop. Parfait. Très bien, Marie. Je sais, ça commence à être chaud pour vous, pour Marie. Tenez le coup, on a un rond. Nous sommes partis sur nos ronds avec une fente arrière. Une fois latérale, ensuite nous avons continué là. Et maintenant, je vais vous demander de les faire autour de l'oreille. N'allez pas trop loin. Restez autour de l'oreille, laissez bien aller à l'arrière. Et on va faire 1, 2, 3, 10 fois à droite, 10 fois à gauche. 1, toujours la même chose. 2, très bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambes. Voilà, bien loin de la bannerie. Voilà, bien décollé. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Nous voici au cool down. Vous pouvez respirer. Je vais demander à Marie de faire un simple pas en avant. Avec un I, je lui demanderai ensuite en arrière avec un T, un W. Donc, je vous rappelle quatre grands exercices qui travaillent votre posture, qui sont le I, le T, le W et le L. On va les faire en cool-down, simplement, droite, gauche, droite, gauche. On alterne avec un pas en avant, ok. Simplement, on s'étend un petit pas, aucune fente. C'est un cool-down avec un point en avant, Marie, au lieu d'un point en arrière. 1, 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, impeccable. Petit pas maintenant en arrière avec 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, tout simplement, statique, W, L, 3, 4, 5, 6, 10 fois. Donc, W, revenir complètement. L, voilà, c'est parti, on revient. W, 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellente séance d'entraînement. Merci. Très bien. Merci à vous. Si vous avez suivi et exécuté tous ces mouvements-là, chapeau. À la prochaine fois, encore un grand merci aux élèves de la Fitness Academy pour m'avoir aidé à créer tous ces exercices. À très vite. Désormais, on fait équipe. Merci.